Comment télécharger et installer une nouvelle police sur Photoshop? Photoshop est vraiment très très garni niveau police, mais éventuellement que vous les aimeriez pas et que vous en voudriez d'autres, vous pouvez aller sur le site dafont.com. Ce site-là répertorie une multitude d'écritures de police. Il y a de plusieurs styles, que ce soit le médiéval, sans sérif, alien, il y a vraiment plusieurs sortes de styles. Une fois que vous avez trouvé celle que vous voulez, par exemple, si je vais prendre la première, la Shelter, vous appuyez sur Download. Une fois l'installation terminée, qui prend au moins quelques secondes parce que le fichier est vraiment petit, vous prenez le fichier et vous le dézippez. Une fois dézippé, vous cliquez sur l'icône avec le A, vous appuyez sur Entrée. Vous voyez toutes les polices possibles et le résultat que ça donne. Et vous appuyez sur Installer. Une fois installé, nous retournons sur Photoshop. Donc, nous faisons une recherche. Et nous voyons que Shelter est juste ici. Peut-être que vous allez devoir redémarrer Photoshop pour qu'elle apparaisse. Des fois, ça peut arriver. On fait un test d'écriture. Et on voit que là, la police a été bien installé sur Photoshop. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.